Bonjour à tous, ici Jojol67 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment accélérer le téléchargement des vidéos sur YouTube. Alors pour commencer, il faut avoir un iPhone, un iPod Touch ou un iPad. Et il faut qu'il soit au firmware 3.2.1 au minimum. Donc ça veut dire que tous les autres firmware qui sont au-dessus du 3.2.1, les 4.0.1, les 4.0, tout ce que vous voulez, ça marche nickel. Alors pour commencer, on va aller dans Cydia et on va ajouter une source pour avoir ce logiciel qui est gratuit. On va aller donc dans Gérer, Source, Modifier, Ajouter et on va taper la source qui est la suivante, donc http://cydia.pushfix.info. Alors vous allez ajouter cette source, je mettrai le lien de la source dans la description de la vidéo. Quand vous l'avez ajoutée, on va aller dans Recherche et on va taper le tweak qui est le suivant, TCP Optimizer. Alors vous allez l'installer et vous allez après faire un reboot. Et on va tester ce logiciel, ce tweak qui s'intègre directement dans YouTube. Donc vous n'aurez rien du tout dans les réglages. Donc pour il n'y a pas de réglages à faire, c'est tout. Alors pour commencer, on va tester. On va aller dans mes vidéos, on va appuyer dans Data Deposit. Le chargement de la vidéo est fini, on appuie sur Play et on va constater qu'en fait le téléchargement est assez rapide. N'a pas besoin d'attendre. On a vraiment un bon gain de temps. Chargement de la vidéo qui est plutôt rapide. On appuie sur Play et on peut voir la vidéo très rapidement. Alors en fait, il accélère la bande passante, là le TCP Optimizer, et c'est pour ça que vous pouvez voir vos vidéos très rapidement. Alors c'était Jojol67 pour vous parler du logiciel TCP Optimizer, plutôt un tweak, qui permet en fait d'accélérer le téléchargement des vidéos sur YouTube. Donc c'est une vidéo rapide, mais pour un logiciel que je pense quand même qui sera fort intéressant pour une grande partie des gens qui vont voir cette vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur mon canal de YouTube et sur mon Twitter et de visiter le site internet iPod Touch is a Pro. Merci à tous.